Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 du la coupe du roi. Je te prends, je te mets dans la coupe. Le cochon gelé, ouh ça sent un bon deck. Je vous rappelle le principe, on fait un maximum de défis dans le truc qui s'appelle, je sais plus, la coupe du roi. Coupe du roi, en fait c'est un très bon truc. Est-ce qu'il a un contre? Ok, contre armée de squelettes, ok. On va contrer parce que nous on a de quoi contrer. Voilà, on va pouvoir mettre quelques coups. Et là, son armée de squelettes, on va pas lui dire qu'on a la Valkyrie. On va mettre un chevalier en attaque. En fait, ils mettent le chevalier dans chaque armée ou quoi? En fait, c'est une très bonne carte. Elle fait beaucoup de dégâts. Elle coûte pas cher. Mettre un foudre pour ça. Pourquoi pas? Et là, on va faire un truc. Je vais mettre la Valkyrie. Et derrière, je vais mettre le cochon. Et là, il pourra pas mettre en armée de squelette. C'est intelligent, hein. Et en plus, le machin ténébreux, il fait zéro dégâts, donc je m'en fous un peu. Ok, par contre, ça commence à prendre de l'ampleur. Ouais! Ça commence à prendre de l'ampleur ici. Et là, on va mettre la pierre. La pierre, la pierre, la pierre. La pierre tombale qui est passée. Oui. Ah mince, par contre sur le côté ça risque de prendre cher. J'ai pas trop de défense aérienne. Il n'y en a pas eu de deck aérien non plus d'ailleurs. Est-ce que je peux pas tenter ça? Non, on n'est pas dans l'extra. On n'est pas dans l'extra time. Faut que j'attende l'extra time, je pense. Pour essayer de jouer des trucs bien. Oh, comme je dis. Par contre, le bûcheron peut faire très mal. Je sais pas pourquoi j'ai joué un pierre tombale là-haut en fait. C'était pas un peu pourri comme coup ça. Oh, mal joué. Et on a le poison, mais jamais espéré. Oh, comment on a tout contré. Ça c'était bon ça. C'était très très bon. Bien contrer le coup. Là on va mettre ça éventuellement. Ouais, j'ai pas super bien défendu, mais dans tous les cas j'ai défendu. Oh, les petites troupes qui vont toutes partir là, c'est parfait, ça touche pas ma tour, c'est ce que je voulais. Par contre on va mettre ça plus pierre tombale éventuellement parce que ah il a le foudre, il a le foudre, ne pas oublier ça, il a le sort de foudre. Hop. Ok, c'est bon. On l'a gagné. Bien joué. Premier match, on l'a gagné. C'est bon. Ok, on gagne une carte et 50 pièces. On va tout de suite repartir en combat. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. Ballon sorcière. Waouh. Et j'ai le sort de rage. J'ai le sort de rage. Comment je peux jouer ça? Il est niveau 8. Genre. Moi je suis niveau 9 et niveau 8. Ouh. Ça peut être très positif pour nous. Ouh, ça peut être très très positif pour nous. Par contre, tu tapes pas 50 fois sinon. Et là on va mettre son barrage. Et voilà. Je crois qu'il a pas de quoi contre l'aérien et à ce moment-là il est un peu mort. La princesse qui ne tombe pas. On va mettre l'électro et on va mettre les gargouilles. Et comme ça. Non, il a tiré, il a tiré, il a tiré, il a tiré. C'est pas grave. On va tenter de lui prendre la tour de droite. Je ne tente jamais de prendre la tour du centre. C'est beaucoup trop dangereux. On va mettre une sorcière. Ouais, parce qu'en plus, la tour de droite a pris plus. Ah, l'Arc-X. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. On va mettre un baby, parce que le baby contre tout lui, contre c'est ma tour qui est en train de tranquille. Par contre elle va l'Arc-X va s'arrêter, merci. Merde, ça y est. Je sais pas s'il y a quelque chose contre mon ballon en vrai. Je peux le contrer, c'est mon truc.
il a la boule de feu. Mais c'est pas le. Hop, 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 et ça, on va faire ça, tout simplement. Hop, il n'y a plus l'arme squelette. Contrer avec une sorcière, parce que bon, de toute façon, il va nous prendre la tour à un moment donné. Bah voilà, tout de suite, par exemple. Là. Là, on va clairement mettre ça. Ici, on va mettre le baby dragon. On va mettre un ballon. Ici, parce que le ballon, si je le mets au centre, il va, c'est lui qui va tout prendre. Là, on va mettre les gargouilles. En fait, on va mettre les gargouilles. Est-ce que je peux tenter un enragement? Ah, oh, ça, c'était bien joué! Et ça va jouer à la tour centrale. Si un ballon pouvait remettre un coup. Oh, le ballon a remis un coup. Le ballon a remis un coup. Est-ce que ça, la princesse, elle peut pas. Ah, tiens, je savais pas. Très bien. Là, vraiment, je savais pas que la princesse pouvait taper plusieurs trucs en même temps. Enfin, qu'elle pouvait taper sur elle-même. Enfin, sur elle-même. Attendez. Attendez, parce que là, on est en train de se prendre cher. Que je gère ça, que je mette mon ballon et le sang de rage, tout simplement. Et là, en théorie, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Bien joué. C'était très chaud là. Là, j'ai augmenté le son parce que c'est mon micro du coup. Et voilà, on repart sur une deuxième victoire et on repart sur un troisième combat tout de suite. Ah, qu'un deck. Ok. Ok. On part sur extracteur direct. Ok, c'est un deck bien. Ok, ok. Je vais mettre la horde. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il faut que je contre ce truc. Ok. Boule de feu. Retenir. Bah, pas mis trop cher. 400 PV. Faire un roulement avec l'esprit. On va mettre le golem direct pour pas perdre des ici. L'esprit de glace, c'est vraiment un petit truc. En plus, il permet de. En vrai, je suis en train de remarquer qu'il aide l'ennemi à garder des troupes dans l'endroit où il veut. Jamais pensé. Par contre, faut pas que la princesse elle se mette à tirer dans tous les sens là, donc. Un moment, falloir. Ouh, là j'ai bien joué. Ouh là c'était bon, c'est bon pour moi ça. Ok, c'est parfait. Et en attendant, le golem il fait mal. Si je peux mettre ma mousquette, ah il va mettre la boule de feu là. Il a pas mis la boule de feu. Il l'a pas mise. Attention. On va prendre la tour. La tour est prise. La princesse va peut-être tomber. Ok, la princesse est tombée. C'est bon. Alors mettre un golem, petit golem, au calme. Et oui, le golem est une très bonne carte. J'ai une idée de vidéo. On va tester ces deck-là en multi. Ça pourrait être pas mal, non? Ouais, bof. C'est vrai. C'est pas dingue. J'ai eu les meilleures idées. Ouh, ça c'est bon, la tour a été gelée. L'arc-x a été très mal contré. Il a oublié que j'avais ça. À cet instant, j'ai envie de lui prendre sa dernière tour. On va geler le MP. Mini PK. Ouh, le mini PK a été redirigé. Est-ce qu'on peut tenter d'avoir la tower? C'est ça la question. C'est ce qu'on va avoir la tour. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je peux avoir sa tour ou pas? Le pire c'est que je crois pas. Je crois pour avoir la tour. Hein. Ah c'est frustrant comme truc. Ah bien joué, bien joué. J'aurais pu avoir la tour, voilà, il rigole, mais c'est normal, il rigole. En tout cas, je gagnais. Et puis, de toute façon, il n'y avait aucun enjeu. Cochon gelé. Le bouliste, je suis pas fan dans un.
certains combos là. Quelques gels. Ok. J'ai mal gelé, mais j'ai gelé comme un pied. Mais alors comme un pied. Oh là là. Oh ce gel, c'était pitoyable. Et en plus, j'ai rien pour contrer ça. C'est n'importe quoi. J'ai vu la tête du deck du l'autre. Je peux même pas le contrer. Oh, j'ai jamais vu ça. Et comment voulez-vous que je contre un truc comme ça? J'ai un cochon gel, il a un triple mousquetaire. Oui, mais c'est triple mousquetaire, il me défonce, clairement. Regarde ce qui vient de se passer. Triple mousquetaire est la triple mousquetaire est une carte qui devrait être un peu diminuée. Et le problème, c'est qu'ils peuvent pas parce que les triples mousquetaires sont faites des mousquetaires x 3. Moi je trouve quand il coûtait 10, c'était pas trop hein. On peut tenter des petits gobelins à lance. Faut que quand même que je puisse prendre sa tower. Il joue plus là? Qu'est-ce qui se passe? Il sait pas quoi jouer je pense. Il sait pas quoi jouer je pense. Et là il est temps, on va geler ça comme ça. Éventuellement. Mais en fait ça m'arrange pas du tout qu'il fasse ça parce que bon voilà moi du coup je mets mon poison mais je vais encore l'utiliser inutilement. Je pense qu'il tente ma tour. Il tente ma tour centrale et j'ai des troupes qui me servent actuellement à rien. Merci. Là, ouh, ça peut faire très mal. Ou ça fait mal. Ça va faire très mal pour moi, oui, effectivement. Mais non mais. Attends. Je peux pas contrer, vas-y zappe moi, c'est bon, hein. Je veux dire, voilà. 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 Ouais. Je peux pas contrer de toute façon. Bon, ouais, c'est pas grave. On va pas rager non plus. Ça ne vient à rien. Pour 5 gemmes, gagner des coffres, on va pas se plaindre. Alors. Ballon déchaîné. La dernière fois, j'ai eu le ballon. Ça a pas trop marché. Contre Matrix. Et ça a bien marché, pardon. Contre Matrix, on va voir. Pas mettre un ballon alone. Puis les esprits de feu ça se joue pas du tout comme ça mais bon. Hop, oh les esprits de feu qui vont mettre un peu de dégâts. Éventuellement. J'ai un ballon géant. Et lui aussi. Pas comme ça, attendez, je vais temporiser les gens. Faut que je temporise. Faut que je temporise. Faut que je temporise le ballon. Ok c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le ballon va pas mettre de coup. Il va mettre un coup. Le ballon, il va mettre un coup, on va enrager notre géant. Oh, ça servit à rien! C'était moisi comme coup, ça! Oh, je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est bon, il a encore le même deck que moi, là. Et à un moment, arrêtez de mettre les mêmes decks à tout le monde. Non, mais c'est cool comme idée, mais... Voilà, lui aussi, il a mis son sort de rage pour rien. On utilise nos sorts de rage pour rien. Exactement le même truc que moi. C'est dingue. Et là. En fait, je joue à gauche pour tenter de défendre ce qu'il pourrait jouer à gauche lui-même. Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut tenter un petit géant et un ballon derrière. Si ça passe, je suis refait. Ok, par contre, on peut très bien enrager. Je vois bien le petit sort de rage passer ou le sort de rage qui va passer. Sort de rage qui va passer. Il faudrait que ça. Ah, ça s'est pas pris. Ah, c'était bien joué. Mais la tour centrale a pris un coup. La tour centrale a pris un coup. Et ça, c'est intéressant. La tour centrale, si elle tombe, le reste tombe. Ça me dirait une phrase. Si la tour tombe, le reste tombe. Ah non, 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 pas le coup. J'arrive une seconde. Oh. Et voilà. Ouh, 15 PV. 15 PV. C'est bon ça. C'est la tour, on va pas défendre 15 PV non plus. Faudrait être bête. Faudrait être bête. Et là, je pourrais, faudrait que je tente de mettre mon géant. On va laisser quelques petits instants, mettre le ballon et là mettre un sort de rage. Et si ça passe pas, c'est pas ce qu'il faut pour que ça passe. Par contre, le géant va mettre quelques coups, ça peut être très 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 important. Le ballon va mettre un coup. Le ballon a mis un coup, c'est bon, c'est parfait. C'est passé, c'est passé. Et là, on va mettre un bon petit sort de zap. Sort de zap. Il peut être très bien placé son ballon qui ne va pas mettre autant de coups que le mien mais qui va me faire très mal. Et là, on va tenter de mettre une sorcière ici.
Normalement, c'est bien passé, c'est bien exactement ce que je voulais. Ouais. Oh, j'ai gagné. J'ai même pas remarqué. Même pas remarqué. Et bah, c'est à peu près tout. Je vais finir un peu ça tout seul parce que là. Oh, attendez. Attendez. Les offres spéciales. Est-ce qu'on peut les avoir toutes ou qu'une seule? On va prendre la plus grosse, hein. On va prendre la plus grosse. On va l'acheter. Allez, merci. Un bon gros coffre. Et on va voir justement si on peut les avoir toutes ou pas. Un bon gros coffre magique. 4077 d'or. Un sort de foudre, ça c'est pas mal. Une sorcière, ça pue. 20 golems de glace, ça c'est très bon. 524 esprits de feu, ok. 9 arcs. Ah ouais, non. 117 frigarouilles. Là il va me manquer des rares. Des épiques, pardon. 12 baby dragons. Ou ça c'est bon ça. Et on peut prendre les autres. On va prendre le petit coffre magique. Parce que 99 centimes, on s'en fout un peu. Événement officiel en direct sur YouTube. Genre, y a un... Allez, avant le truc. 600, ok. Une boule de feu, ok, non. 10 en zap, non. 28 fléchettes, non. Carton Tesla, non. 9 cochons, ah ça pue, non. Ok. 13 méga gargouilles, ok. Et 4 golems. 4 golems, c'est très bien. Et j'avais un truc à améliorer, moi. Peut-être qu'en fait, j'ai rêvé. Ah oui, le golem. Comme le glace, je l'utilise pas, je vais pas l'améliorer. Est-ce que je peux améliorer des trucs dans mon deck? Non. Je peux éventuellement prendre le pack or et gemme, mais je le prendrai plus tard. J'ai la flemme pour l'instant. 2500 gemmes, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je les garde, je les garde. Je les garde. Pardon. Et du coup, bah voilà, on se retrouve. Oh, on va ouvrir ce coffre. Allez hop. J'espère qu'il y a des trucs intéressants. 14 chevaliers, 17 squelettes et 14 bombes. Ok, c'était pourri. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite, éventuellement, de la TV Royale. Adieu.